Bonjour, je m'appelle Alexandre Bucognier, j'ai 25 ans et je joue au Montpellier Hérault Rugby. Du coup, Alex, est-ce que tu peux nous parler de ton début du rugby assez tardif ? Ouais, j'ai commencé à 13-14 ans. En fait, on faisait du foot avec les potes et puis on s'est dit pourquoi pas essayer le rugby. Donc je suis parti au rugby dans un petit village à côté de chez moi, à l'Entente des Graves, où j'ai joué un an et ça m'a plutôt plu. Du coup, je suis parti à Bordeaux, un an aussi. J'étais un an à Bègles en suivant et puis après, je suis parti 5 ans à Mont-de-Marsan où j'ai fait toutes mes catégories espoir et aussi en pro, 3 ans. Parle-nous un peu de ton palmarès. Donc, tu as été champion l'an dernier, mais tu as été aussi champion de France espoir. Ouais, avec Mont-de-Marsan, du coup. En ma première année en espoir, j'ai été champion. C'était bon souvenir. C'est ta deuxième saison au MHR. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler de la saison dernière, de ton adaptation, du titre, du Covid ? Il y a eu beaucoup de choses l'année dernière, il y a eu beaucoup de choses. Ça a commencé, c'était un peu compliqué. Bon, j'étais dans une nouvelle équipe, en top 14, c'était plutôt compliqué. On n'avait pas forcément des très bons résultats. Ensuite, c'est allé de mieux en mieux. Les coachs m'ont fait plus confiance. C'était une montée en puissance et puis on finit par une consécration avec ce titre de champion d'Europe qui est quand même exceptionnel. Tu fais quoi en dehors du rugby ? En dehors du rugby, bon, l'année dernière, rien. Avec le Covid, bon, on n'a pas fait grand-chose. Là, cette année, on peut un peu bouger. Après, je reste en général avec les gars du stade hein, parce que je ne connais pas grand monde dans Montpellier. Mais on bouge, on essaie d'aller voir la ville. Quoi. T'es pas du tout jeu vidéo comme Zach ou Non, du tout. Je ne joue pas aux jeux vidéo, j'ai pas la Play, j'ai rien chez moi. T'es assez écolo, j'ai entendu dire. Non, c'est juste que j'habite à 500 mètres, du coup je prends mon vélo pour venir. Plus vélo ou plus trottinette ? Ah, la trottinette électrique alors, plus trottinette du coup. J'ai entendu dire aussi que tu avais une passion pour les fringues, et notamment un en particulier, un certain survêtement. Non, en fait, je suis tout le temps en survêt, du coup j'avoue que je mets des survêtes un peu n'importe où, et comme j'ai pas mal de survêtes de Mont-de-Marsan, j'en mets aussi, donc du coup ils se foutent de moi parce qu'on n'est plus à Mont-de-Marsan. Ouais, rassure-nous, oui, tu mets bien les Je les mets aussi, je les mets aussi. Alors, on a des sources proches de toi qui disent que tu passes ton temps à dormir. Qu'est-ce que tu leur réponds ? Non, je dors pas. Ils me chambrent sur ça, mais non, je dors pas. Je suis éveillé et concentré. Donc, au final, quand même, entre ton moyen de locomotion, tes fringues et ta passion pour la sieste, j'ai l'impression qu'on te chambre beaucoup quand même. Ouais, ils aiment bien. Après, tout le monde se fait chambrer. Hein. Ouais. Il n'y a pas que moi. On aime bien se chambrer entre nous. Après, c'est normal, c'est ce qui fait que le collectif vit bien. Tu leur rends bien ? On leur rend aussi, ouais, il n'y a pas de souci. Est-ce que pour finir, Alex, tu as un petit mot à faire passer à nos supporters en ce début de saison ? Eh bien, écoutez, venez nombreux au stade, nous supporter. On fait au maximum pour que vous soyez ravis de venir. Et puis, j'espère que les résultats suivront. Merci beaucoup. Double clap à la fin. Ouais, j'ai fait ça, je sais pas pourquoi. J'ai 25 ans, je joue 3e ligne au MHR Rugby Hérault. Tu sais où tu joues ? MHR Rugby Hérault. Non, Montpellier Hérault. Ouais, Montpellier Hérault. MHR Rugby, putain ! MHR Rugby Hérault. Écoute, en plus, il y a deux secondes, il se foutait de la gueule de Zach. Ah ouais ! Montpellier Hérault Rugby, putain, je suis con.